Journée mondiale de la forêt. Le ministère de l'Environnement au devant de la scène. 3000 jeunes plants ont été mis en terre sur une surface de 3 hectares. Une séance d'initiation à l'entretien des jeunes plants a été donnée. Le ministère de l'Environnement a célébré aujourd'hui la Journée internationale de la forêt par une séance de reboisement et d'entretien de jeunes plants. Cette campagne de reboisement s'est tenue dans la commune d'Ambalavao du district Atsimjan. Ce fut une occasion pour le ministère de faire connaître et de rappeler le danger engendré par la dégradation de l'environnement et des forêts. En effet, les forêts de Madagascar sont menacées de disparition totale à cause de la déforestation requise par les utilisations domestiques ainsi que par les feux de brousse. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Anta Rebetalian, a rappelé que les surfaces couvertes par les forêts persistantes actuelles ne répondent plus aux besoins de l'effectif démographique. Le ministère tire la sonnette d'alarme sur cette déforestation massive. La communauté internationale tient à préserver l'environnement de Madagascar à partir de la préservation des forêts. D'autant plus que ce projet rentre dans le cadre de ceux financés par nos bailleurs de fonds.